de compression ésocore. Thomas X, le compression de compressibilité isotherme. On va démontrer tout d'abord la première relation dv sur dv à pression constante, fois dv sur de p à volume constante, fois de p sur de v euh, à t constante est égal à moins 1. Mais là, on va démontrer la relation qui existe entre les trois coefficients à la pression. À la grâce de on sait que l'équation d'état sous forme implicite se forme implicite. s'écrit implicite. s'écrit sous cette forme f, la fonction f qui relée entre les variables p, v, est égal à 0 en différenciant on obtient la différence totale exacte la différence totale exacte de f ça s'écrit sous cette forme c'est d de f est égal à d de f sur d 2 p a V était constante et le volume à euh, température constante fois d de P plus d de F sur d de V à pression et à température constante fois d de V plus d de F sur d de T à volume et à pression constante fois d de T est égal à 0. La différentielle totale exacte de F l'équation euh, d'état est égale 0. Donc, si, premier cas, si P est une constante, si la pression est constante, donc D de P, bien sûr, la dérivée D de P est égale 0. Dans ce cas, reprenons les deux termes seulement. Donc, donc j'aurai D de F sur D de V à pression et à température. De V plus une constante plus 10 de F sur 10 de T à volume et à pression constante fois 10 de T est égal 0. Donc, à partir de, maintenant de la relation, on a 10 de V sur 10 de T, 10 de V sur 10 de T, on a l'expression avec un moins et on a l'autre côté. C'est moins 10 de F sur D de T à volume et à pression constante sur D de F sur D de V à pression et à température constante. Donc si on utilise la dérivée partielle, D de V à la D de T à pression constante est égal à moins D de F sur D de T à volume et à pression constante sur d2f sur d2v, donc pour p et t. Voilà le premier résultat. En a l'équation de départ maintenant. Le premier cadre, d2p est égal à 0. Le deuxième cas, si v est égal à constante. Donc, dans ce cas, d2v est égal à 0. Il y a le terme est nul. Le terme sera égal à 0. Donc, on prend D2F sur D2P VT D2P de d de plus D2F, la dérivée par rapport à T en fixant V et P, D2T est nul. Et à partir maintenant de l'équation, on a dit D2T sur d 2 D de t sur D2P qui est égal à, moins, et dans l'autre côté, c'est moins D2F sur D2P en fixant V et T sur D2F sur D2T en fixant V et P. En utilisant la dérivée partielle D 2 T sur D2P à volume constante est égal à, moins D2F sur D2P v et t, tout sur d de f sur d de t, en fixant v et p, le deuxième résultat. De même, Randonneuse la relation de départ différentielle totale exacte, tout mal un t qui est égal une constante, donc d de t est égal zéro et en l'expression est nulle, donc rien ne fait les deux expressions, 10 de f sur 10 2 p, on a vt, 10 de p, plus 10 de f sur 10 de v, on a pt, 10 de v est égal à 0. Donc, là, on a 10 de p sur 10 2 v, et on dans l'autre côté, on a 10 v, qui est égal à moins 10 de f. Sur d2v pt, voilà d2f sur d2p vt. Si on passe la dérivée partielle, on hein, dit bien d2p sur d2v à t constante, c'est égal à moins d2f sur d2v pt sur d2f sur d2p vt voilà le résultat final le troisième résultat les un manquant je me les trois résultats là cela les trois résultats on m'a donc le quittes on dira une multiplication il y a les trois éléments donc là cela d 2 v sur d2t à pression constante fois d2t sur d2p à volume constante fois D2P sur D2V à température constante est égal. Le premier terme ou moins D2F sur D2T VP sur D2F sur D2V fois. Le deuxième terme WAM moins D2F sur D2P V sur D2F sur D2T. VP et finalement fois troisième terme et voie moins d2f sur d2vPt sur d2f sur d2pvt. Là, on a le terme WADA donc je peux simplifier. Le terme d2f sur d2vAP était constant WADA, le même. De même, dans ou à un, je peux simplifier, on dit moins fois moins plus fois moins attenant moins 1. Donc est égal à moins 1. Il n'y a finalement que D de V sur D2T à pression constante. Fois D2T sur D2P à volume constante. Fois D2P sur D2V à température constante est égal à moins 1. Maintenant, montrons que. Alpha, il y a la relation entre les coefficients thermoélastiques, est égale à la pression P fois bêta fois X. On va montrer cette relation. Je vous rappelle que alpha est égal à 1 sur V, d2V sur d2T à pression constante. Bêta est égal à 1 sur la pression. D, la dérivée de la pression par rapport à T, à volume constante. Et finalement, la coefficient de compressibilité est égal moins 1 sur V, D de V sur D de P, isotherme a à T constante. À partir de la première relation, je peux multiplier V fois alpha, qui est égal à Yannick, je simplifie par V, cela, D de V sur D de T. À pression constante. À partir de la deuxième, je calcule 1 sur bêta fois P. Et je multiplie par P. Je simplifie. Donc, 1 sur bêta P. D2T sur D2P. Alors, Sur V. Et à partir de la troisième, je calcule moins 1 sur X fois V. et Je multiplie par fait tout d'abord en simplifie donc là ça 1 sur x x v là ça ou la moins là ça directement d2p sur d2v à température constante Or, on a montré que d2v sur 10 2 p d de t à pression constante fois d2t sur d2p en volume constante fois d2p sur d2v à t constante les y a est égal à moins 1. Donc, donc l'expression V fois alpha fois 1 sur bêta fois P fois moins F sur X V est égal à moins 1. Il y a ni le produit dialogue les trois les trois termes. Exactement le produit a les trois autres termes. Donc est égal à moins 1. Je peux simplifier par V, j'aurai, un le moins, le moins, j'aurai alpha qui est égal à P fois bêta fois x. Voilà le résultat final. le résultat qui bien. Les coefficients ne sont pas indépendants. Les coefficients, les coefficients, thermoélastiques, thermo, plastique ne sont pas indépendants. plastique ne, ne sont pas indépendants. Et on termine la vidéo par cette remarque très importante. Il y a canon les coefficients élastiques indépendants. C'est-à-dire si l'on connaît l'expression de 2, de 2. De ces coefficients. Il y a deux coefficients. Il est souvent possible de retrouver l'équation d'état du système étudié. Il y a le troisième, troisième coefficient. vidéo. Je la 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 vidéo.